Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte et comme vous le voyez à l'écran, nous sommes sur Moonbreaker. Alors le descriptif nous dit, mélange de stratégie et de simulation, Moonbreaker est un jeu de plateau vidéoludique au tour par tour qui se déroule dans un univers de science-fiction façonné par Brandon Sanderson. Alors c'est peut-être censé vous dire quelque chose, mais moi je ne connais pas du tout cette personne. Diriger un capitaine et son équipe pour déterminer l'avenir des confins lors d'aventures en constante évolution. C'est sorti le 29 septembre 2022, c'est actuellement en Early Access, ça vaut un petit peu moins de 30€. Il y a également un pack, un Founders Pack à 24,99€ qui ajoute de la money in-game, j'ai tout suivi, et des packs de peinture parce que c'est un jeu de figurines où on va pouvoir eh bien, peindre nos figurines comme dans la vraie vie en fait. Et déjà là, pour moi, alors on va découvrir un petit peu ce qu'est le jeu à nous offrir, mais ça me fait un petit peu tiquer qu'il y ait du coup des packs de peinture dans le Founders Pack. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Le jeu est dispo, comme vous le voyez, en français, et c'est du solo et également de l'affrontement en ligne. Voilà pour le tour d'horizon des petites infos que l'on avait. Alors j'ai juste lancé le jeu, vous le voyez à droite, il me dit de faire le tutoriel. Il me dit de gagner un match contre l'IA, de faire un modèle de peinture, d'aller sur leur Discord. J'ai plein de choses à faire, il y a plein de monnaies. Alors il y a un mode streamer dans les options qui cache les monnaies. Il cache le pseudo, qui cache les monnaies. Je sais pas trop pourquoi. Autant les musiques, quand c'est un mode streamer qui enlève les musiques qui ne sont pas libres de droit et tout ça, je comprends. Mais là, cacher les mots de passe à la rigueur, je comprends aussi. Mais cacher les monnaies, peut-être que c'est juste pour pas avoir des crétins qui viennent insulter sur le chat parce que ah là là, t'as acheté de la monnaie. Mais bon, ce sera un petit peu dommage. Du coup, nous, on est parti. Donc là, il y a plein de trucs. On ne sait pas du tout ce que ça fait pour l'instant. Là, c'était ma petite icône de profil. Je l'ai changée. Il y en avait quelques-unes de base. J'ai juste cliqué là-dessus tout à l'heure. J'ai regardé les options vite fait. C'est réglé. Donc, on peut jouer, on peut collectionner. Mais avant d'aller voir les collections, on va peut-être faire le tuto. Comprendre comment ça marche. Alors, bienvenue dans Moonbreaker. Passons en revue les règles de base. Oui. Je suis d'accord, ça va nous être utile. Voici Extilior, votre capitaine. Si vous perdez cette unité, vous perdez le match. D'accord, donc il y a une notion de capitaine et de troupe, j'imagine. Tâchez de le garder en vie par tous les moyens. Sélectionnez Extilior, avec un clic gauche, puis déplacez-le à portée de la tourelle. Enfin, utilisez son attaque au corps à corps pour frapper la tourelle. Ok. D'accord. Donc je peux le sélectionner. Je le déplace. Je vais le mettre donc là. J'imagine que la bulle jaune veut me dire que je suis à portée de corps à corps. Je sélectionne le corps à corps. J'attaque. Simple. Efficace. Et je termine mon tour. Ok. Donc c'est du tour par tour, bien évidemment. Alors, deux ennemis qui arrivent. La capacité spéciale d'Extilior, l'épée de la justice, inflige des dégâts à plusieurs unités à la fois. Déplacez pour qu'il touche les deux. Utilise d'abord l'épée de la justice, puis venez à bout de la tourelle récente à l'aide d'une attaque normale. D'accord. Donc je le sélectionne. Je le déplace à portée des deux. J'utilise son attaque spéciale, donc il me coûte. Bon, ça coûte pas les petits points rouges là ? Bah, y a pas de notion de points pour l'instant. Il inflige les dégâts. Puis, je peux attaquer au corps à corps. Et termine. Bras d'acier peut attirer les unités vers elle. Essayez la capacité Mecha Chop pour attirer la tourelle vers elle, puis détruisez cette dernière avec Extilior. Ok. Donc elle a une capacité Mecha Chop. J'attrape celui-ci. Je peux l'attaquer au corps à corps. Mais je peux changer d'unité, d'accord, à la volée. Là, je peux changer d'unité. Je peux venir là. Là, je peux faire une attaque au corps à corps sur lui. Ok.
Donc on peut jouer nos unités un petit peu comme on veut. Alors est-ce que c'est parce que c'est le tuto? Ou est-ce que ça sera tour par tour? Vraiment, on joue toutes nos figurines, puis il joue toutes ses figurines. Il serait un peu dommage parce qu'en fait, ça perdrait un petit peu de dynamisme. Vaut mieux jouer une figurine l'un après l'autre. Je ne sais pas comment ça va se passer dans un vrai match. Bradassi peut également attirer ses alliés. Déplacer Bradassi vers les deux tourelles, puis attirer Axilior. Il ne lui reste plus qu'à utiliser. Oui. Et oui, c'est pour en fait gagner du mouvement. Comme ça, hop, il s'est rapproché. Lui, il peut. Ah zut! Ah non! Ah zut! Il est mal calé. C'est dommage. Donc si je fais l'épée de la justice, ça va tout le monde. Voilà. C'est pas grave. Nouvelle unité. Aria est une unité à distance. La distance, la couverture et la présence d'autres unités affectent la précision de ce type d'unité. Essayez de cibler les trois tourelles. La couverture et le positionnement de vos unités affectent le tir d'Aria. Alors, hop. Faudra peut-être plus d'un tour pour éliminer toutes les tourelles. Ah d'accord, on voit. Ah oui, donc là. Je perds 11% parce que j'ai un personnage devant, puis 26% parce que j'ai l'autre là. Là, il y a le couvert, donc 29% en moins, et celui-là, je le vois même pas parce qu'il est bloqué. Ok. Essaie de tirer là. Raté. C'est logique. Là, je peux me déplacer. Ah, toi, t'es un corps à corps. Peut faire ça et du coup attaquer. J'imagine que la capacité spéciale, je peux pas l'utiliser autant que je veux parce que sinon ça serait un peu abusé. Nouveau tour. Ah, l'ennemi contre-attaque bien évidemment. Donc là je peux essayer de tirer. Et je l'ai eu. Ok. Ah, encore un nouveau personnage. Place à l'expérimentation. Voici Brise Shen Furax, un capitaine ennemi, ainsi que plusieurs tourelles de soutien et une nouvelle unité alliée. Tirez parti de ce que vous avez appris. Ok. Pas la peine d'éliminer l'ensemble des ennemis, il vous suffit de vaincre le capitaine. Bonne chance. Ok. Ah, ça y est, on a toutes les stats qui apparaissent. Donc là, j'imagine que ça, c'est mon nombre de points de vie au-dessus. Alors il y a du vert, il y a du rouge et il y a du jaune. Ils auraient pu expliquer un peu les stats. Lui il peut que attaquer. Ok, le vert ça veut dire c'est déplacé. Le rouge j'imagine c'est à attaquer. Voilà. Lui il s'est déplacé, il a attaqué. Et jaune c'est peut-être la capacité spéciale. Donc imaginons que je me déplace par là. Que là j'utilise ma capacité spéciale pour attirer celui-là. Oui voilà, ça a mangé le jaune. J'attaque au corps à corps. Ah mais il contre-attaque. D'accord. Ça c'est intéressant à savoir. Là je suis trop loin pour faire quoi que ce soit, donc je peux juste avancer. Et sérénité, précision améliorée jusqu'à 75%. Plus 75% jusqu'à ce que l'unité se déplace ou subisse des dégâts. Ouais, mais en même temps, là, il est juste devant moi. Voilà, là, il n'y a pas de problème. Et là, je peux terminer mon tour. Bien évidemment, il va essayer de choper mon distance parce que c'est plus fragile. C'est une erreur de ma part de rester dans le coin. Ah, il lui a enlevé son mouvement. Et je peux plus me déplacer. Par contre, là... l'attaquer mais il contre-attaque. Est-ce qu'il a usé sa contre-attaque? Je peux pas attaquer. Je suis peut-être pas calé. Voilà, j'étais pas engagé dans le combat.
Non, il peut quand même contre-attaquer, d'accord. Donc il a autant de contre-attaque qu'on attaque. Là, je vais faire ça. Comme ça, je rapproche lui. Lui qui va se déplacer sur le côté, mais du coup qui prendra un tir de la tourelle, mais qui peut attaquer. Il va faire 4 points, c'était marqué dessus. Ok, et là je peux attaquer et gagner. Vous maîtrisez les bases, et pas les nazes, de Moonbreaker, mais ce n'est que le début. Essayez de vous frotter à de vrais matchs, bonne chance. Ok, bon pour l'instant ça a l'air assez simple à comprendre. A voir du coup comment on sélectionne nos unités en début de partie, est-ce qu'il y a un système de points d'équilibrage quelconque. Je vais récupérer mes sous. Donc ça on a vu, on va aller voir collection. Alors ça c'est les figurines que j'ai, j'imagine. D'accord, on peut voir en détail. Les figurines sont quand même jolies. Hein. Ok, jouabilité. On voit ce qu'elle fait. Univers. Ok, stats. Et là il y a quoi? Maîtrise. Ah d'accord, donc on a une espèce de maîtrise et j'imagine que plus on la joue, plus la figurine gagne en rang. Je ne sais pas ce que ça changera. Peut-être que l'unité va s'améliorer. Ah, je peux dépenser des monnaies pour améliorer la rareté. L'amélioration de la rareté d'unité ajoute des éléments cosmétiques améliorés. Ce système est encore en cours de développement. On le voit pas. D'accord, on peut améliorer la rareté et a priori c'est que cosmétique. Ok. Ah, on voit ces animations. Okay. Donc j'ai, de base, j'ai quelques figurines qui me sont offertes. Bras d'acier, Brise Chaîne, Détonia. D'accord. Et on peut remarquer qu'il y a l'air d'y avoir quand même plusieurs castes et plusieurs peuples. Là on a l'air d'avoir juste des humains assez classiques, là on a l'air d'avoir des trucs un peu robotiques. Là on a des aliens totalement bizarres. Et là on a des sortes de mecha ou véhicules. Unité non possédée, donc ça c'est tout ce qu'il y a j'imagine de débloquable dans le jeu. Ok, il y en a quand même quelques-unes de débloquables actuellement. J'imagine que c'est là-dessus qu'ils feront leur beurre, ils en rajouteront. Donc, par exemple, admettons, il y en a une qui est sympa, tiens, la protectrice, hop, est-ce que je peux la débloquer? Comment je la débloque? Je peux l'employer pour 50 bidules comme ça. Mérite, sert à engager des unités non acquises et à améliorer la rareté. D'accord, c'est la même monnaie qui améliore les deux. Comment j'en ai du mérite? Une bonne question, ça. Et groupe? Ah, là, je prévois mon groupe. Si je veux faire un nouveau groupe. Ok, donc comment ça marche? Il me faut un capitaine. Ah, et par contre, en capitaine, il n'y a que certaines unités. Donc lui, c'est forcément le capitaine. Ok. Et après, il me faut des troupes. Il me faut 10 troupes d'équipage. Il n'y a pas de restriction. Genre, il considère que toutes ces unités-là sont équilibrées, entre guillemets. D'accord. Ouais. Ça, c'est l'arrivée des unités. J'espère que l'équilibrage est bon, hein, parce que du coup, il n'y a pas de système de points ou de quoi que ce soit. Ok, on va revenir. On voulait voir du coup. Par exemple, si je veux peindre. Si Aria, je veux la peindre. Peinture. Alors, si je veux appliquer un autre schéma, comment je fais? Nouveau schéma. Ok, donc là on a la figurine basique. Et là je pourrais la peindre. Donc ça c'est les couleurs que j'ai de base. Ajouter une palette personnalisée. Ah, je pourrais faire ma propre palette. Oui, mais ça m'intéresse pas. Peinture, la vie, les brosses. Aucun élément débloqué, aérographe. D'accord, donc admettons que je ne sais pas, j'ai envie de... Ah, oula, comment ça se...
Je voulais lui peindre le visage en fait à l'origine. Ah oui, oula, ça a pas l'air évident, évident. En fait, si je veux pas te dépasser sur quelque chose. Wow. On essaye, hein. Voilà, et admettons que je veuille peindre le masque. On le peint en quoi? On le peint en métal. C'est de la fumée, y a pas un truc métallique. Admettons, on va essayer de le peindre comme ça. Ok. Bon, ça marche plutôt bien. Après, j'aurais aimé, je ne sais pas s'il y a moyen de déplacer la caméra, zoomer, pivoter. Activer le masquage automatique. C'est-à-dire quoi? Je peux pas dépasser. Ah, voilà. Si on active ça, je ne peux peindre que l'élément sur lequel j'ai commencé. Vous voyez, là, j'ai commencé sur le casque, je peux dépasser comme un sale. Voilà, heureusement, ça me rassure, parce que s'il fallait tout peindre au millimètre près, autant acheter des vraies figurines. Donc là, je peux peindre le masque. Alors, par contre, si je clique par exemple sur la peau, tac, voilà, là je peux commencer à taguer la peau, mais je peux plus taguer le masque. Ok, c'est assez intéressant. Et on voit que ça va être long de se faire des belles figurines, ce qui est assez sympa comme système. Et on se fait un petit lavis dessus. Attendez, on va se peindre les cheveux là. Mettre une grosse brosse, on va lui mettre des cheveux blonds. Oula, c'est très blond ça. Ah oui, c'est tellement pratique avec l'outil là en bas qui permet de ne peindre hop, que la pièce là sans dépasser. Maintenant, on va se faire un petit lavis, on va se faire un petit lavis d'ombrage. Voilà, c'est très ombré. J'ai peut-être dû mettre moins intense. Et ok, on se fait un petit brossage à sec dessus pour que ça brille. On fait un petit brossage à sec blanc, voilà. Nickel. Bah, je vois clairement l'intérêt. Moi qui adore peindre, hein, je peins pas mal de Warhammer. Je pense vraiment que je pourrais m'amuser sur ce genre de logiciel, même si bon, c'est pas, on va dire, c'est pas le même ressenti que d'avoir le pinceau à la main. Mais au moins là, on peut se rater. C'est moins difficile à corriger. Bon, c'est pas mal comme petit système. Bon, je vais arrêter de massacrer cette pauvre figurine. C'est quoi ça? Activer l'interface. Ah oui, on peut se prendre des petits screens. Non, mais non, abandonné. Elle était bien à l'origine. Hein. Voilà. Ils ont bien travaillé. Tac, on va revenir. Donc ça on a vu. La piste de saison. Allez, on va aller voir la piste de saison. Donc ça, c'est le Battle Pass. Saison 1 se termine donc dans 117 jours. Ah oui, ça va quand même. Il y a du temps. Et on a donc plein de choses à débloquer. A priori, cette saison est gratuite ou en tout cas de base si vous achetez l'Early Access. Je vois pas de côté PA. Ah, niveau 50, on a une apparence. Ah oui, c'est juste une apparence, d'accord. Oui, c'est Extilior Robot Assassin, c'est... Ok, donc ça a l'air d'être du skin. Ah, ça c'est un schéma de peinture, donc vous pouvez débloquer des schémas de peinture alternatifs, ok. Et donc là, c'est ce qu'on voyait dans le Founders Pack. Vous pouvez également débloquer des couleurs de peinture. Bon, tant que c'est accessible, on va dire, assez simplement, et que ça peut se débloquer quand même un peu gratuitement, ça va. Parce qu'en fait, la peur que j'avais au début, c'est que vous ayez genre 3 couleurs et que le reste, fallait les payer. Donc non, ça va gratuitement. Vous pouvez quand même avoir 2-3 trucs, c'est propre. Ok. Donc ça, on l'a vu. Et maintenant, la boutique. Qu'est-ce que je peux acheter dans la boutique? Je peux récupérer des trucs, c'est bien ça. J'aime bien moi quand c'est gratuit. Je le récupère. Ok, donc là il y a un truc gratuit toutes les X heures. Là je ne sais pas pourquoi c'est offert, peut-être pour l'Early Access. On peut ouvrir des boosters. J'ai un booster. 0 sur 20, légendaire. Booster restant avant de recevoir un légendaire garanti. Oh, on a du tirage gacha. Ça, il y en a qui vont pas aimer.
Donc bien évidemment, je vais ouvrir ça, mon booster, et qu'est-ce que j'ai dans mon booster? Alors, j'ai gagné deux aliens, c'est des membres d'équipage, et un troisième alien en fait, des membres d'équipage dont un peu commun, ok. Et donc j'ai ouvert un booster sans légendaire, donc la jauge a augmenté de 1. Bah écoutez, j'ai des boosters, les boosters. Ah, celui-là je l'avais déjà, donc ça m'a offert des médailles de mérite, donc c'est... Un des moyens de gagner du mérite, c'est en ayant des doublons. Or, on va en ouvrir quelques-uns. Mais le jeu de figurines d'affrontement PVP avec un système gacha derrière partent quand même sur un terrain très glissant. Que les gachas avec du PVP derrière, c'est souvent compliqué. Souvent assimilé à du pay to win, parce que même si on fait un équilibrage, il y a toujours une unité qui se retrouve au-dessus à un moment donné. Et si t'as pas cette unité, tu gagnes pas tes matchs. J'espère qu'on va pas ressentir ça dans ce jeu-là, parce que sinon ça va juste flinguer le jeu littéralement. Mais comme il n'y a pas de notion de points, a priori pour l'équilibrage des unités, bah c'est vraiment un équilibrage... Normalement, toutes les unités doivent se valoir, tous les membres d'équipage doivent se valoir, mais je doute que ce soit vraiment le cas. Je fais les 10 tirages pour voir un peu ce qui tombe en termes de rareté. Oh, on a eu un légendaire, on a eu le Brise Chaîne du coup qu'on a affronté tout à l'heure. Et donc là, j'ai eu mon légendaire, donc ça reset la jauge, d'accord. Si vous avez un légendaire dans les 20 tirages, vous avez la jauge qui reset. Oh, un deuxième légendaire. Sachant que, si j'ai bien compris, chaque unité peut aller de normal à légendaire et ça ne change que le skin, si j'ai tout compris. On pourra aller retourner voir du coup ce qu'a changé le légendaire, mais normalement ça doit être que le skin. Et ça ne change pas qu'une unité peut être plus forte qu'une autre. Par exemple, un capitaine, a priori, il y en a quelques-uns quand même, mais ça se trouve, il y en a un qui est plus fort que les autres, il va y avoir une sorte de méta. Et si vous n'avez pas ce capitaine, ça risque d'être compliqué pour vous. J'avoue que je suis assez sceptique hein, sur ce modèle économique. Les gachas, c'est toujours, toujours compliqué comme choix. Ok, j'en ai plus. Je veux acheter un booster. Si je veux acheter un... Donc, alors, dans les monnaies, on a compris que ça, disponible à l'achat dans la boutique. Donc ça, c'est la monnaie euro. Si je veux acheter cette monnaie. Ok. Donc, 75, c'est 5 euros. Donc c'est à peu près l'équivalent de 2 boosters et demi. On le voit, les boosters, c'est 30. Donc c'est l'équivalent de 2 boosters et demi pour 5 euros. Ouais, à voir. Après, on a donc le mérite obtenu dans les boosters à la place des doublons. Ah, ça ne s'obtient que là-bas. Donc, ce truc-là qui permet d'upgrade la rareté, ou, je dis pas de bêtises, de débloquer des unités, je crois que c'était ça le mérite, ne s'obtient que dans des doublons. Donc il faut forcément faire des tirages. Les sobres, ça c'est la monnaie obtenue en jouant qui permet d'acheter des boosters à hauteur de 100 pièces le booster. Et enfin les contrats obtenus dans la boutique chaque jour. Pour l'instant on sait pas à quoi ça sert. Ok. Donc là on a les capitaines, OCD et les pulsars. Bon, on a vu tout ce qu'il y avait dans la boutique. Le contrat, on ne sait pas à quoi il sert pour l'instant. Et rejoindre leur Discord. Ok. On peut regarder une vidéo d'entraînement, on peut gagner un match contre l'IA. Alors si je voulais lancer un match, comment ça se passerait? Jouer contre un joueur, donc bon, ça c'est classique. Choisissez un groupe pour vous mesurer, gagner de l'expérience pour la piste de saison et maîtriser et de la maîtrise d'unité, ok, contre l'IA. Pareil.
Et on peut quand même gagner de la maîtrise et du truc de saison. Et le mode transporteur, dépenser un contrat. Ah, donc ça c'est ce qu'on peut obtenir tous les jours dans la boutique. Pour affronter 5 boss aléatoires de plus en plus coriaces. Plus vous irez loin, plus vous gagnerez des sobres et d'expérience pour la piste de saison. D'accord, on a une sorte, si je comprends bien, de mode boss rush entièrement PVE. Et ça moi ça me parle parce que j'avais peur aussi à l'origine en voyant le jeu que ce soit uniquement du PVP et de l'affrontement. Et je suis pas quelqu'un qui aime plus que ça le PVP. Donc je suis content de voir qu'il y a quand même des modes contre de l'IA et des modes, on va dire, un petit peu annexes et pas juste un mode affrontement bête comme ça. Ils ont pensé à essayer de rajouter donc là une sorte de mode boss rush et ça c'est cool. On voulait voir lequel j'ai obtenu en rareté là. Lui, donc là il est légendaire. Ah, et je pourrais descendre sa rareté. Et ça me ferait gagner des médailles. D'accord. Ok, on peut voir sa compétence. Et je serais curieux de savoir ce que fait la maîtrise. Qu'est-ce que change la maîtrise? Hop, on va essayer. Par exemple, si je veux lancer un match contre l'IA. Je choisis donc le groupe que j'ai créé précédemment. Donc là, le groupe par défaut, avec un capitaine. Et des unités. Et je comprends pas pourquoi il y a un chiffre à côté de ça. Est-ce que c'est un nombre de tours? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. En plus, il en a deux compétences. Ça, j'imagine que c'est le nombre de dégâts. Si c'est en jaune, c'est corps à corps. Si c'est en bleu, c'est à distance, si j'ai tout compris. Et ça fait rien. Ça n'attaque pas. Ça a que sa compétence. Et ça, c'est le nombre de points de vie, ce qui me semblerait logique. 20 PV pour le capitaine. Et j'imagine que tout l'équilibrage se fait sur coup dégâts PV, principalement. Donc, admettons, je veux jouer ça. Donc on jette les deux capitaines. Et on choisit pas où ils sont placés. Ok. Alors, choisir les soutiens. Donc là, j'ai un choix à faire. Ah, je peux quand même... J'allais dire regarder la map. Mais j'ai pas l'impression. Non, je peux pas faire grand chose. Ok. Donc, rayon de scission, on sépare les unités, confère 2 lapilli. Alors, est-ce que c'est ça pour lancer les compétences? C'est ça que je veux comprendre. Prends 1 de santé à votre capitaine. Ah, je choisis un groupe. Envoie un membre d'équipage allié sur le pont, rend 3 de santé à l'unité, déplace... Ok, bah, on prend ça. Ok, donc je commence, c'est capitaine contre capitaine. Ah oui, mais tout ça dans le tuto, on l'avait pas regardé. Là, on a toute une interface. Ah oui, on aurait raté tellement de choses. Donc, en haut, pont. Membre de l'équipage prêt à être déployé. Donc j'ai 4 membres de l'équipage prêt à être déployé. Et j'ai 6 membres en réserve. Non, ça c'est lui. Moi je suis en bas. J'ai 3 membres et 7 en réserve. D'accord. Ah, donc il m'a fait un tirage parmi les 10 que j'avais. Totalement au pifomètre des membres que j'avais prêt à appeler. Donc là c'est mon pont. Et je peux appeler ces troupes là. Mais ces troupes là... Là, de ce que je comprends, ont un coût dans ces cristaux, en lapis. Il sert à déployer l'équipage et utiliser les capacités. Voilà. Donc, on ne peut pas l'utiliser à l'infini. Donc là, si je voulais, par exemple, déployer Aria, il me faudrait 3 lapis. Donc, pour l'instant, je n'en ai pas. Alors, qu'est-ce que ça dit? Sert à déployer l'équipage. Et là, au tour 1, j'en ai 1. Alors, est-ce que c'est façon jeu de cartes? Au tour 2, j'en ai 2. Au tour 3, j'en génère 3. Jusqu'à 3 lapilli non dépensés peuvent être mis de côté pour le prochain tour. D'accord, ça fonctionne exactement pareil qu'un jeu de cartes. Et si je veux renforcer, ajoute un membre de l'équipage aléatoire au pont. D'accord, donc pour que je récupère les 7 qui restent, il faut que je paye ça. Donc là, 3. Et j'en mettrai un au pifomètre de la liste dans ceux qui sont disponibles. Et là, j'ai mes compétences, mais que je ne peux pas utiliser pour l'instant. Ok. Donc on va essayer de jouer. Actions cannot be undone.
Et donc là, si j'utilise ma capacité, je dépense mon lapilli du tour. Oui, donc il va vraiment falloir réfléchir à comment on joue. C'est quand même assez stratégique. Là, bah, je vais me déplacer. Mon bouclier. Les prochains dégâts sont réduits de 1. Oui, mais il est le même que moi, il va pas jouer à distance. Donc là, je peux passer mon tour. J'en ai gardé 1 pour le tour suivant. Et pourquoi ? Il m'a fait un truc ? Rend un point de santé à unité ou inflige un point de dégâts à un adversaire. D'accord, il m'a défoncé ma tronche, gratos. Ah ça, ça s'utilise en nombre de tours, si je comprends bien. Attendez, on va voir. Donc là, j'ai deux pierres ce tour-là, j'en ai généré deux, plus une en stock. Donc là, je peux appeler quelqu'un du pont. Je peux déployer Aria, que je dois forcément déployer autour de mon capitaine. Donc mon capitaine, c'est ma zone d'invoque. Admettons que je veuille la mettre derrière plutôt, parce que c'est une distance un peu fragile. Là, j'ai plus de cailloux. Je peux quand même déplacer les unités de la zone collectivement. Et je peux quand même lui l'avancer. Par contre, je l'ai utilisé, donc il me faut deux tours de recharge. D'accord, ça c'est des compétences qui marchent en nombre de tours. Maintenant, là, je pourrais déplacer en essayant d'avancer. Ah, et toi, tu viens d'être invoqué, tu ne peux pas jouer, d'accord. C'est bon à savoir. Là, il vient au corps à corps. Il claque tous ses trucs en technique, donc il n'invoque pas, lui. Aïe, arrêtez de me balancer des cailloux. Ah, ils étaient engagés dans un corps à corps, donc ils se frappent forcément à la fin du tour. C'est ça que je comprends. Il est en train de me défoncer. Ok. Donc là, déjà, je pourrais essayer de tirer. Ok. Derrière, je pourrais... Qui c'est que j'ai ? Admettons que je veuille récupérer un nouveau membre. Et ça, et donc, j'ai récupéré Bras d'Acier. Ok, mais il me faudra quand même 3 pour l'invoquer. Ah oui, donc ça coûte un peu cher. Là, je me déplace. Et là, je vais m'engager dans le corps à corps. Donc, je l'attaque. Il contre-attaque. Ça, on est d'accord. Et donc, si là, je finis mon tour. Ah non, c'est juste qu'il m'a attaqué tout à l'heure, d'accord. Là, il m'attaque avec sa technique. Et il utilise sa technique pour se soigner. Et il se dégage du corps à corps. Et il n'y a pas d'attaque d'opportunité quand on se dégage. Et en plus, il invoque quelqu'un. Mais ça va, les points, là ? Ok. Donc là, soyons logiques. Moi, je me déplace. Je me mets là, entre les deux. Là, je décide de faire... un bouclier. Sur moi-même. Puis, je fais une épée de justice. Ça, je chavate les deux. Là, je vais plutôt jouer celui-là. Donc là, on a aussi vu que c'est... je joue toutes mes troupes, il joue toutes ses troupes. C'est peut-être un peu dommage, j'aurais bien aimé un mode dynamique, en mode j'ai le droit d'activer une unité, puis à toi, puis à moi, puis à toi. Ça aurait permis en fait d'avoir des contres, des changements de stratégie en cours de tour, alors que là, c'est... Je sais pas, je trouve que c'est moins intéressant comme affrontement. C'est que mon avis. Donc là, j'essaie de tuer celui-là. Mais je risque fortement de le rater, donc je peux me déplacer ici. Vente le déplacement, une fois que je l'ai fait, je l'ai fait. Même s'il me restait du mouvement, ah oui, donc il ne faut pas se rater par rapport au déplacement qu'on veut faire. Donc j'essaye de tuer celui-là. Ah, juste, je l'ai raté. Bon, bah du coup, je l'achève au corps à corps. Qu'est-ce qui se passe si je tue une de ces unités ? A priori, il ne la récupère pas. Ouais, non, ça sert à rien. Par contre, lui, je peux... Oh, ça sert à rien non plus, en fait. Donc là, il refait sa technique. Il utilise son sort. Il a quand même invoqué quelqu'un. Ok, il repousse tout le monde.
Moi, je vais utiliser le rayon de vortex pour attirer tout le monde. Voilà. Ici, admettons que je veuille essayer de tirer. Ah oui, celle de derrière, forcément, je perds de la. Perdre la précision. Je tire sur lui. Ici, je suis dans la merde. On va pas se le cacher, je suis grave dans la merde. Donc, je peux me déplacer. Si je fuis comme ça. Et là, je peux invoquer. Je peux décider d'invoquer, par exemple, bras d'acier. Bras d'acier que je vais poser. Bam, juste devant. Elle encaisse à ma place. Et comme j'ai suffisamment de points, je peux invoquer également. Je peux également invoquer lui. On peut faire plusieurs invoques par tour. Donc là, je lui ai bloqué le chemin. Il peut pas venir me chercher. Ok, elle, elle a des grenades. Il se récupère des PV, ce qui me semble logique quand même. Il attaque, donc j'ai des unités qui prennent très cher. Ok, j'ai quand même riposté. Et là, si je fais une attaque au corps à corps, mais je vais mourir en réplique, je l'ai compris ça. Toi, à toi tu es à distance, pardon, je... Tire et tu vas te planquer. Toi tu tires. Ok, il lui reste 3 points de vie. Donc là, si je déplace ici, je fais une épée de justice. J'ai tué le capitaine, donc j'ai gagné la partie. Ok. Victoire. Alors, donc là, je gagne de l'XP. Match joué, 10 points d'XP. Et comme j'ai gagné, en plus, plus 20 d'XP. Et rien de nouveau. Donc j'ai gagné 30 points d'XP sur la saison 1. Ok. Et toutes mes unités qui ont participé, ah même celles qui sont dans le vaisseau, même celles que j'ai pas déployées, ont gagné 30 points d'XP parce que je les ai utilisées. Ok. Et là ça dit quoi? Maîtrise de l'unité, d'accord, donc je suis à 0 sur 10, pas de rang, et dans 1000 points d'XP, il deviendra donc novice. Ça sera son premier rang sur 10, donc il y a 10 rangs. En fait, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que changent ces rangs? Est-ce que c'est juste purement visuel, cosmétique, entre guillemets, pour dire, ah ben, du coup, le joueur-là, il joue beaucoup cette unité, donc sûrement, il doit la maîtriser? Ou est-ce que ça apporte un petit quelque chose à l'unité? J'espère que c'est juste cosmétique, parce que si ça apporte quelque chose à l'unité, au final, ça veut dire que des joueurs qui commenceraient Day One seraient, quoi qu'il arrive, avantagés par rapport à des joueurs qui commenceraient 1, 2, 3 mois plus tard, voire quelques années plus tard, si ça a apporté quelque chose. Mais là, je vais pas faire, je vais pas faire suffisamment de matchs pour aller vérifier cette information. Eh ben, écoutez, ça a l'air assez sympa. Tac, et là, on est revenu, donc j'ai gagné un match contre l'IA, j'ai récupéré mes pièces. Alors ça, c'est quoi? C'est des missions du jour. Par exemple, admettons, j'ai pas envie de jouer un match en ligne. Je supprime. Est-ce que demain, j'aurai des nouvelles missions, peut-être? Permettrait de gagner des... Parce que j'ai pas gagné de sous en faisant mon match. Donc il y a une limite aux sous qu'on peut gagner par jour. Sachant que les sous permettent d'acheter des boosters. Donc à voir. Et là il y a quoi? C'est une aide. Oui, how to play. Okay. Donc ça c'est pour regarder la vidéo d'entraînement. Après il faudrait que je peigne et que je rejoigne le Discord, leur Discord. Eh bien écoutez, pour moi bonne petite pioche. Après, moi j'ai déjà un gros passif en tant que joueur de jeux de figurines en réel. Donc forcément, ça me parlait un petit peu. L'univers, je sais pas. Pour l'instant, je suis assez mitigé. Ça me semble assez générique en fait comme univers. Et pour l'instant, je sais pas. Je ressens pas vraiment une petite touche particulière. Ça pourrait coller à n'importe quel jeu en fait. Et c'est ça qui me gêne un peu. C'est que je ne ressens pas des designs vraiment particuliers, vraiment jamais vus, en fait. Donc à voir après, avec le temps, hein, peut-être avec les nouvelles unités et ce genre de choses, peut-être qu'ils sont partis de base sur quelque chose d'assez générique pour parler à beaucoup de monde. On est sur de la science-fiction, j'avoue que moi ça me parle aussi un petit peu moins, je suis beaucoup plus dans la fantasy. Donc à voir si je vais
si je vais rester sur le jeu un long moment ou pas. En tout cas, là, j'ai envie de me refaire quelques games. Le système a l'air assez intéressant. Pareil, j'ai mis deux petits bémols. Hein. Le premier bémol, c'est sur le système gacha. Ça peut être très glissant et très dangereux à voir en fonction de la méta en PvP. Est-ce que ça va pas poser problème? Est-ce que ça va pas être trop pay to win? Et le deuxième bémol, du coup, qui est un peu lié, c'est sur l'équilibrage. Vu qu'il n'y a pas de système de points ou ce genre de choses pour différencier les unités, est-ce que l'équilibrage va réussir à tenir avec cette notion de capitaine et de troupe? Je ne sais pas, ça seul l'avenir nous le dira. En tout cas, il se lance en early access. Je le rappelle, il est dispo pour un petit peu moins de 30€. Il y a également un petit DLC Founders Pack à 24,99€ exactement supplémentaire. Si jamais vous vous intéressez au jeu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez apprécié la découverte, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le partage, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.